Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour vous parler des perches télescopiques que j'ai testées ces derniers jours. Alors vous me connaissez, j'aime bien aller sur AliExpress et essayer de dégoter de bons rapports qualité-prix. Sur le marché chinois essentiellement, du coup, je suis allé sur AliExpress, j'ai pris une des perches les moins chères existantes et elle avait l'air franchement très bien. Voilà, elle a toutes les fonctionnalités qu'on peut demander à une perche actuelle. Je vais essayer de vous la présenter et de la mettre en balance avec d'autres perches que vous pourriez acheter peut-être un peu plus cher. Dans l'absolu, elle est même pas horrible cette perche. Elle a à peu près tout ce qu'il faut. Elle est fonctionnelle. Vous voyez, je peux déplier comme ça, mettre le smartphone à l'horizontale ou à la verticale. On a ici des petits caoutchoucs qui viennent enserrer le téléphone. On a un bon retour de force à ce niveau là pour bien le serrer qu'il soit bien en sécurité. On a ici le bouton que vous allez appeler avec votre smartphone qui permettra de déclencher une photo. Vous avez bien sûr la fonction trépied qui se déplie assez facilement. Mais voilà, elle manque tout simplement de raffinement pour une utilisation quotidienne avec des trucs tout bêtes. Comme par exemple des petits patins ici en caoutchouc qui adhèrent à la surface sur laquelle vous allez le poser. C'est tout bête, mais mine de rien, c'est à cause de ça que je ne l'ai pas emmené dans certains de mes déplacements. Tout simplement parce qu'elle n'est pas en mesure d'adhérer. Moi, je pose sur des surfaces diverses et elle n'est pas en mesure d'adhérer. Alors si vous la posez sur une pierre, bah, vous allez vous retrouver un petit peu en décalage comme ça, ça va glisser. Si vous êtes sur des surfaces lisses, ça va glisser. Bref, c'est tout simplement pas adapté. Autre petit problème tout bête. Si jamais vous avez envie de l'étendre, alors elle va assez loin, ce qui est plutôt cool, mais ça remue, ça secoue, ça bouge, et ouais, c'est pas suffisamment stable. Donc du coup, vos photos, vos vidéos vont s'en ressentir, ça va trembler et ça va générer des flous, et ça encore une fois, c'est pas génial. Pour le rechargement, l'ajustement ici est pourri. Normalement, il faut enlever cette partie là, ce petit appendice, que vous pouvez d'ailleurs prendre avec vous dans votre poche pour déclencher les photos à distance. Et aller le recharger en USB-C, sauf que vous voyez la petite monture ici qui tourne d'ailleurs, qui est plutôt bien foutue dans l'absolu. Enfin, en tout cas, il y a un léger angle pour le tourner dépasse sur le... la télécommande et vous pouvez pas la retirer. C'est extrêmement difficile. En tout cas, faut se lever très tôt le matin malheureusement pour la retirer. Donc du coup, vous pouvez pas la recharger non plus. C'est quand même dommage. Alors, cette perche, du coup, je m'étais dit, j'allais la tester à l'IFA de Berlin. Ça me paraissait être une bonne idée. Et quand je l'ai vu arriver, bah, voilà, c'est tout. J'ai tout de suite compris que ça allait pas le faire. J'allais pas me balader avec un truc aussi cheap, au risque, bah voilà, de faire tomber mon appareil photo, en tout cas mon smartphone. Ça manque de tenue, pas de caoutchouc. Ça manque de rigueur, ça manque voilà de solidité. Je me suis dit non, c'est pas possible, je vais pas emmener ça avec moi, je vais le regretter. Donc du coup, je suis passé chez Blitzwolf euh, sur Amazon pour le coup et je me suis acheté celle-là qui effectivement niveau qualitatif n'a absolument rien à voir. Sauf que je l'avais commandé en urgence, euh, vraiment de la veille pour le lendemain et elle n'est pas arrivée à temps malheureusement. C'est pas grave, j'ai utilisé un autre système que je vous présenterai éventuellement. Là, je vais vous la détailler. Alors voilà le petit jouet que je me suis acheté et elle est vraiment très belle. C'est le moins qu'on puisse dire, elle est relativement fonctionnelle. On a bien sûr le petit bouton ici qui va vous permettre de connecter au smartphone et de déclencher des photos y compris à distance. Ça se sort facilement, ça se recharge en micro USB. Ça franchement c'est banco, c'est sans faute. Maintenant c'est sûr c'est le côté praticité au quotidien qui n'est pas génial. Déjà il faut écarter comme ceci les pieds pour pouvoir réellement le mettre en mode trépied. Ensuite vous allez tirer hop, sur la petite poignée qui est là, vous allez pouvoir sortir le bras télescopique et il va loin. Alors ça, c'est le côté plutôt cool. Ça peut être assez grand. Hop. Et quand vous continuez à tirer, ça va étendre le trépied et là vous allez pouvoir le poser effectivement. La magie opère, ça tient vraiment très bien, c'est super stable. On a des caoutchoucs pour une bonne adhérence. C'est juste que le système ici de verrouillage du trépied, et pas extrêmement simple, y compris à sortir ou à déverrouiller. Vous avez vu, j'ai dû attendre la perche au maximum, mais ce n'est pas toujours comme ça qu'on utilise. Alors, à refermer, ça marche plutôt bien, vous allez voir. Si je pousse ici, hop, le trépied se referme de lui-même tout seul, hop, et se remet en position. Ça, c'est cool. Maintenant, si je veux utiliser la perche uniquement avec euh, une petite hauteur, donc là, par exemple, je sors ici, voilà, donc je peux mettre mon smartphone, ça tient, il n'y a pas de problème. Hop, vous avez le petit caoutchouc, vous avez un bon point d'ancrage pour le smartphone, mais ici le trépied, voilà, est assez peu écarté. Et pour l'écarter, il faut appuyer comme ça, et d'ailleurs c'est ce qui est conseillé par la notice. Appuyez vers le bas maintenant imaginez-vous sur de la terre, sur de l'herbe, sur des rochers, vous risquez d'endommager les petits caoutchoucs que vous avez en dessous, c'est pas génial malheureusement. C'est juste ce côté ergonomique du trépied qui n'est pas totalement bien fait, mais sinon c'est vrai que je dois avouer que c'est une très très bonne perche, c'est assez agréable à avoir sur soi, ça tient relativement dans la poche, en tout cas moi j'arrive à la transporter dans la poche. Elle est plutôt bien foutue mais pas parfaite. Alors dernière option qui m'a accompagné pendant pas mal de temps dans beaucoup de mes vidéos sur euh, bah, la dernière année, c'est celle de chez Xiaomi. Toute simple, encore plus basique que celle de Blitzwolf, mais finalement, c'est dans la simplicité qu'on fait ou qu'on trouve en général bah, les meilleures choses, même si de temps en temps, un peu de technologie, un peu plus de complexité peut amener à des effets plus sympas. Là, pour le coup, celle-là, c'est probablement une de celles que je vais le plus vous recommander. Je vais vous la montrer plus en détail. Alors voilà mon chouchou, ma préférée. Je l'ai utilisée pendant des années. D'ailleurs, regardez, elle est morte. Euh, ici, il y a un petit caoutchouc qui sert retiré malheureusement c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé c'est aussi pour ça qu'elle a un peu souffert c'est ultra simple d'utilisation vous dépliez comme ça vous pouvez orienter comme vous voulez. Vous orientez ici à ce niveau-là. Vous avez le petit bouton ici d'allumage pour prendre des photos. Ça se connecte bien sûr à un smartphone Android sans aucun problème. Il doit être déchargé en ce moment. Hop, vous pouvez le sortir, l'utiliser comme télécommande, le recharger en micro USB. À ceci près que c'est enserré dans du caoutchouc, donc ça peut avoir tendance à tomber et bah, malheureusement il faudrait pas que vous le perdiez. Le trépied se déploie extrêmement facilement. Bon, c'est pas topissime, on n'est pas dans le plus grand niveau de qualité, mais on est signé Xiaomi et que c'est très pratique, elle est vraiment très bien faite, elle a un bon appui, un bon niveau de stabilité. Pour moi, pour démarrer, c'est top. Par contre, malheureusement, on n'a pas une très grande longueur de bras ici. C'est le côté un peu dommage par rapport à la concurrence actuelle. Alors j'adore aller sur AliExpress pour voir ce que la Chine est en mesure de produire à vraiment pas cher parce que souvent on se mange des marges, des marges de marque, des marges de distribution, etc. Et on ne sait pas réellement ce que valent, que valent les produits. Donc ça c'est cool dans le marché des écouteurs ça marche vraiment très bien. Voilà bon, pour les perches ça marche déjà moins bien celle-là elle est pas géniale. Je ne vais pas vous la recommander évidemment c'est un peu cheap, c'est vraiment pour le budget minimum du minimum. Vous l'avez vu ça manque de stabilité, je sens que ça va se casser assez vite. Il n'y a pas de petits caoutchouc. il a pas de, enfin bref c'est pas une perche à recommander. Ce qui est cool sur ce marché, c'est que pour quelques euros de plus, vous allez pouvoir vous payer notamment celle de Xiaomi, qui est vraiment très bien, qui est pas pâquerette aussi en matière de tarification. Je vous mets le lien, comme d'habitude, dans la description. Elle fait très bien l'affaire. Pour un petit peu plus cher, vous avez celle de Blitzwolf, qui est aussi un cran au-dessus en termes de qualité, qui a une perche qui va très très haut, beaucoup plus haut que celle de Xiaomi, qui se déploie comme ceci. Elle est sympa, à ceci près, que bon, en termes d'ergonomie, j'ai vu un petit peu mieux sur les déploiements du trépied. Hop, vous repoussez comme ça, ça se remet, ça tient dans la poche. Elle est vraiment très sympa. Celle que j'ai emmenée à l'IFA. Euh, du coup, parce que l'objectif de toutes ces perches à la base c'était d'en avoir une qui m'accompagne Alifa, c'est celle-là qui était livrée avec un microphone. Alors je vous le montre juste pour le fun, hein, vous n'avez pas l'acheter. Elle coûte 200 euros avec le microphone et c'est pas pour la perche. La perche en elle-même euh, c'est classique. On sent que c'est de la bonne qualité, on sent que c'est solide. Et derrière, il y a quand même de bonnes marques, de bons partenariats, mais c'était surtout pour le microphone que je la voulais. Et même là, ça s'est révélé quand même assez perfectible. Bon, en même temps, Alifa, il y a quand même pas mal de bruit. Ce qu'il va vous falloir, parce que le gros défaut de toutes ces perches. C'est la stabilisation, elles sont très bien si vous les posez quelque part, bon, si vous la tenez comme ça devant vous pour vous filmer ça va aussi, surtout si vous avez un bon smartphone stabilisé, mais sinon pour avoir de la vraie vidéo, de la vraie bonne qualité, c'est une perche stabilisée et on reviendra sur ce sujet un peu plus tard dans d'autres vidéos, je pense que je vais creuser un petit peu voir ce qui se fait aujourd'hui sur le marché asiatique et surtout ce qui peut être sympa pour vous à pas cher. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi un like comme d'habitude si vous avez aimé. N'hésitez pas bah, à me laisser vos commentaires directement dans la description, euh, dans la description dans les commentaires plutôt. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut